Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Toujours confiné dans la salle. À ce qu'il paraît. Bon, vous... tac au tac. Bon, vous le savez pas encore, il y a une mini-série qui va sortir sur la chaîne concernant nos entraînements pendant le confinement. Ouais, mais en fait, on s'entraînait pas. On était plus à la traîne. Lui, il veut pas avouer. On a une salle, on le dit que, on le dit à personne. Sauf à vous. On s'entraîne 2-3 fois par semaine, c'est tout. Hein. On n'a pas, pas plus. Hein. On vous prépare une vraie mini-série. Activez la cloche pour pas la rater. Mais aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qu'on a préparé cet après-midi. Donc là, ça fait 2 heures qu'on patiente sur le live de Jill Seal, un YouTuber qui a 200, 300 000 abonnés, je crois. Allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Et on a été tiré au sort, et machin là. Ouais, on a été tiré au sort sur 1700 personnes pour passer dans son live. Donc nous, notre but, c'était de faire une pub pour notre chaîne. C'est ça, et on a été tiré au sort et on a fait le live avec. Mais malheureusement... Ça s'est très mal passé. Je pense qu'on n'a pas été classé, on a été surclassé. Mais en partant de la fin... Vous allez voir le début de la vidéo, vous êtes mort de rire. On était stressé parce qu'en fait, il choisit une personne au hasard et quand il vous sélectionne en live, c'est maintenant, c'est direct, il faut faire une entrée fracassante. Lui, son but du live, c'est ça, c'est « Faites une entrée fracassante ». Et on a fait une entrée fracassante. On était stressé. On a fracassé son grand. En fait, on avait préparé un truc, mais lui, il voulait tellement s'entraîner que quand le live, il est parti, il a tout oublié. C'est vrai, il est parti chercher des haltères, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Du coup, il y a eu un gros blanc au milieu, vous allez voir, super le triceps. C'est pas mal. Vous allez voir gros blanc au début de la vidéo. Et après, heureusement que le Bastos était là pour animer le truc. Hein. Et ben, on vous laisse avec la vidéo. Elle dure combien de temps? 45 secondes. Histoire de vous détendre. Vous pouvez mettre au play. Elle est gratuite. Et abonnez-vous, likez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ok, Bastos Fit. Le mec est musclé. De ouf. Bastos tiré du bas fit. C'est à toi dans 5, 4, 3, 2, 1. Je t'appelle. C'est parti. Oh, je m'excuse déjà là. On est là! Confinement ou pas confinement? J'ai envie de vous donner une place parce que vous faites peur avec vos bras. Mais... Hein? Tu peux t'abonner à notre chaîne si tu veux, mec! Fitness Fusion? On est là pour faire des fusions? Ok. On a mis toute l'après-midi pour préparer ça. On était chaud, hein! Vous avez préparé quoi? J'ai pas compris. Ça! Oh, on va faire notre petite pub YouTube. Ah ouais, donc on va attendre tout ce qu'il dit. Voilà, allez vous abonner. C'est quoi parce que c'est à l'envers là? Dis-le à l'endroit. Fitness Fusion. Fitness Fusion. On a fait un vlog. On s'est inspiré de tes on va où pour au niveau du montage. Donc si vous êtes abonné à Geekly, okay, vous allez aimer ce qu'on fait. Parfait, on ira voir ça. Fitness Fusion les amis. Fitness Fusion. Hey, et gros, n'oublie pas, pour avoir des abonnés, pour contracter le biceps. T'as vite le... Tu parles, j'ai peur, frère. Arrête de me parler. Ah, je suis d'accord, je vais te sortir tous les jours. C'est ça, même. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas là, je vais s'entraîner. Charles. Mais restez bien, les gars, vous avez raison. Hein. Il faut continuer. Hein. Bon, vous... merci en tout cas, Gixil. Merci à vous, les frérots. Porte-toi. Ciao. Vas-y, bisous, l'ami. Il est beaucoup trop musclé. Arrête de montrer ton corps. Vous avez vu, on ne me voyait même pas dans le cadre. Heureusement qu'il était bien centré, on voyait ses gros biceps. Qu'est-ce que t'as dit en vidéo? On est là! Confinement ou pas confinement? Confinement ou pas confinement, on s'entraîne, on n'est pas à la traîne. Confinement ou pas confinement, on s'entraîne! Bon, il a gagné 3 abonnés en direct sur Insta grâce à ça. À ce qu'il paraît. Et après, il nous a dit on lui fait peur. On l'a fait peur. Ouais, je crois qu'on l'a plus traumatisé qu'autre chose. Bon, en tout cas, allez vous abonner à Jill Seal si vous ne connaissez pas cette chaîne, il fait du super boulot. Quant à nous, on se retrouve mercredi ou jeudi si j'ai le temps de finir le montage de l'épisode 5. Donc est-ce que Bastos est en bonne santé ou il est toujours malade? Je crois qu'il va bien. Hein. Allez, il m'a touché. Il n'a pas le Covid-19, on a eu beaucoup de commentaires de certains abonnés qui s'inquiétaient pour lui. Mais dis, comment tu te sens? Un peu bien. Bref, bon, merci d'avoir regardé cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles de ce qu'on fait en ce moment. Parce qu'on est un peu en décalé par rapport au vlog de Marseille. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous étiez en présence de Bastos et Didio. C'est ça. Non, et... c'était quoi? Attends. Vous étiez en présence de l'AFF. Ouais. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous étiez en présence de l'AFF, Bastos et Didio. Force. C'est fun. C'est fun. C'est tout pour cette vidéo. Vous étiez... en présence de l'AFF. Avec Didio. On refait, Bastos. Vous étiez en présence de l'AFF. C'était Bastos. Et Didio. Force. Et fun. Ouais, ouais. Oh, ouais. Oh, non, là, c'est pas grave.